Le temps de la négociation des accords de libre-échange, il est beaucoup trop lent par rapport à la nécessité d'adapter ce commerce international aux enjeux environnementaux. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de débat sur l'Europe, sur les enjeux des élections. C'est une séance organisée dans le cycle, comme vous le savez sans doute déjà, un cycle de webinaires que nous avons préparé en amont des élections et nous abordons point par point des enjeux qui nous semblent essentiels pour l'avenir du projet européen, l'avenir du Pacte vert notamment. Et tous ces enjeux, vous les retrouvez dans le dernier numéro de l'économie politique, que vous connaissez sans doute à ce stade déjà. C'est une revue trimestrielle éditée en partenariat par l'Institut Veblen et le magazine Alternatives économiques. Je m'appelle donc Wojtek Kalinowski, je suis co-directeur à l'Institut Veblen. Et donc aujourd'hui, avec mes collègues, je vous propose un débat sur la politique commerciale européenne. Comme vous savez peut-être, c'est un thème très particulier pour nous, puisque c'est un des programmes clés de l'Institut Veblen. Et je remercie à mes collègues Mathilde Dupré et Stéphanie Kpenou d'avoir contribué à la revue avec un article que vous retrouvez facilement sur notre site ou bien sur la plateforme Cairn, subordonner la politique commerciale et la transition à la transition sociale-écologique. C'est un peu le titre qui résume un peu l'approche de ce programme, mais je laisse à mes collègues de préciser les choses. Et donc aujourd'hui, comme c'est un sujet clé que Veblen, que mes collègues connaissent bien mieux que moi, je laisse à Stéphanie le soin d'animer la séance. Et Stéphanie, je te laisse aussi introduire nos intervenantes. J'ajoute tout simplement que déjà, vous pouvez noter la séance suivante dans le cadre du même cycle. Donc, il aura lieu le 30 avril, à 13 h toujours, et nous parlerons de l'Europe et de la France face au défi de la réindustrialisation verte. Aussi, ce thème-là ne fait pas partie du cycle, mais je vous l'annonce quand même. Le 22 avril, nous avons un débat sur la voiture électrique. Donc, tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous brancher à 13 h également, le 22 avril, pour rencontrer et poser vos questions, exprimer vos doutes peut-être sur la question de savoir si la voiture électrique est réellement bonne pour le climat. C'est un peu la thèse défendue par l'auteur du livre, Cédric Philibert, qui sera avec nous, entre autres. Voilà donc pour le programme du mois d'avril. Et maintenant, je laisse la parole à Stéphanie et je vous souhaite une bonne séance. Merci Wojtek. Donc oui, aujourd'hui une séance aussi bien sur la question de la politique commerciale de l'Union européenne, avec une interrogation centrale, hein, c'est comment subordonner la politique commerciale à la transition sociale et écologique, avec le constat général suivant qu'on a dressé dans notre article avec Mathilde, hein, c'est que l'Europe, elle prétend avoir mis ses règles commerciales en cohérence avec le Pacte vert européen, mais on voit qu'en parallèle, elle continue de négocier des accords de commerce un peu à l'ancienne. Et en matière d'investissement, bah, la protection des investissements, elle prime toujours sur les objectifs de transition. Et puis, on a une actualité qui est directement en lien avec ces questions, hein, avec le CETA, l'accord entre l'Union européenne et le Canada, dont le volet commercial est en application provisoire depuis 2017. Et on vient en France d'avoir une séquence assez houleuse avec l'examen par le Sénat du projet de loi de ratification de ce texte du CETA. Et on a entendu beaucoup de choses assez contradictoires, hein, dans le débat public sur les retombées économiques de la mise en œuvre provisoire de l'accord, sur la réalité ou non des divergences réglementaires, sur le caractère novateur ou archaïque de l'accord. Et on a l'impression que dans les autres pays européens et au Canada, personne ne comprend vraiment la teneur du débat en France. Donc les objectifs du webinaire aujourd'hui, ça sera de faire le point sur ces enjeux et puis aussi d'élargir la discussion sur les propositions et les pistes de réflexion pour une réforme en profondeur de la politique commerciale. Et je suis heureuse de discuter aujourd'hui avec Sabrina Robert, qui est professeure de droit international à l'Université de Nantes et spécialisée en droit international économique, et qui a aussi été membre de la commission Schubert, hein, qui avait été mandatée par le gouvernement pour évaluer les impacts environnementaux, climatiques et sociaux de l'accord. Et puis on aura aussi Mathilde Dupré, ma collègue économiste et co-directrice de l'Institut Veblen. Donc on va commencer par le CETA, qui est au cœur de l'actualité, comme j'ai dit, et je vais donner d'abord la parole à Sabrina Robert. Alors, vous étiez donc, je l'ai dit, membre de la commission Schubert, et je voudrais que vous reveniez un peu sur les principaux risques qui avaient été identifiés à l'époque.
Oui, merci. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour ce webinaire. Alors, en effet, le traité CETA, c'est un accord que je connais bien. J'y ai passé tout mon été 2017. C'est le temps de moi qui avait été donné à la commission Schubert pour évaluer ce traité. Qui était présenté comme un accord modèle par la Commission européenne, accord modèle à plusieurs égards, autant dans les instruments de libéralisation qui sont approfondis que dans un certain nombre de dispositifs qui visent à mieux assurer l'équilibre entre le commerce, l'investissement, la protection de l'environnement, la protection des droits sociaux, etc. Alors, ce qui est certain, c'est que par rapport aux précédents accords qu'a pu conclure l'Union européenne avant cet accord de 2016-2017, c'est un accord qui, en effet, avance sur un certain nombre de chantiers et qui lève un certain nombre de préoccupations liées à cet équilibre toujours très compliqué à trouver entre commerce, investissement, environnement. Mais néanmoins, le rapport de la commission Schubert, donc, qui est public et qui avait été remis au gouvernement en septembre 2017, il attirait l'attention sur plusieurs points, plusieurs réserves. Je ne vais pas toutes les reprendre, mais il me semble qu'il y a trois principales réserves que nous mettions en avant. La première réserve, c'est que c'est un accord de libéralisation des échanges, donc, qui vise à éradiquer un maximum d'entraves au libre-échange des marchandises, toutes marchandises confondues. Et parmi ces entraves, il y a les réglementations environnementales, sanitaires. Et l'accord vise à cette libéralisation sans assurer l'équivalence des réglementations. Et alors, on a beaucoup entendu parler de la question des clauses miroirs qui permettraient finalement d'imposer aux produits importés sur le marché européen les mêmes contraintes environnementales et sanitaires que celles qui sont imposées aux producteurs européens. Le traité CETA ne prévoit pas de clause miroir, ça c'est une chose qu'il faut clarifier. Les clauses miroirs, elles sont propres à la réglementation de chaque partie, donc là en l'occurrence à la réglementation de l'Union européenne. Mais nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'en dépit d'un nombre augmenté hein, de garanties visant à protéger le droit souverain des États, des parties de réglementer, le traité CETA contient encore des mécanismes susceptibles de faire obstacle à l'adoption de nouvelles clauses miroirs par l'Union européenne en matière de pesticides, en matière voilà, de tout un tas de sujets. La deuxième préoccupation qu'on a relevée, c'est la question de la coopération réglementaire. Ça, c'est vraiment très nouveau pour l'Union européenne. Le Canada, lui, est rompu à cette coopération réglementaire, qui n'est pas le cas de l'Union européenne dans ses accords de libre-échange. Et dans le traité CETA, on trouve alors un chapitre qui est dédié à la coopération réglementaire, mais aussi de nombreux autres mécanismes hors ce chapitre. Et ça, c'est un ensemble d'outils, de dispositifs. Tous ne sont pas obligatoires, mais certains le sont et sont déjà engagés hein, depuis l'application provisoire du traité, et visent finalement à négocier les normes à venir entre l'Union européenne et le Canada. Par exemple, depuis 2017, hein, il y a des dialogues bilatéraux sur les OGM, sur les produits de biotechnologie. Bon, on a des niveaux de vigilance au Canada et au sein de l'Union européenne qui sont très, très différents par rapport aux OGM et on comprend bien que les dialogues bilatéraux ne sont pas là pour aller vers une plus grande protection, une plus grande précaution. Donc ça, c'était vraiment un point de vigilance. Et puis le dernier grand point de vigilance, c'est bien sûr le chapitre investissement qui n'est pas en vigueur, son entrée en vigueur est suspendue à la ratification par les États membres. Premier point, c'est que au sein de la Commission, on était assez unanime pour se demander à quoi sert ce chapitre investissement dans un accord Union européenne-Canada où les niveaux de protection juridique sont sinon similaires, en tout cas équivalents. Et puis, bah, ce mécanisme. Ce chapitre, même s'il introduit là aussi de nombreuses garanties, même s'il vise à la création d'une cour spéciale, mettrait les investisseurs étrangers, donc canadiens en Europe et européens au Canada, en position de contester un certain nombre de réglementations à portée générale, d'intérêt général aussi en matière de protection de l'environnement, de la santé,
Il y a un contentieux très, très abondant. Et encore une fois, hein, même avec une multiplication des garanties dans le traité, le niveau, la sécurité juridique finalement pour les parties contractantes, pour l'Union européenne, les États membres, n'est pas garantie avec ce traité. Donc voilà pour l'essentiel les points de vigilance que l'on avait relevés. Donc, beaucoup de points de vigilance et de risques identifiés, mais donc la question, deux petites questions complémentaires, c'est donc ces recommandations, elles avaient bien été rendues avant le début de l'application provisoire du texte, donc qu'est-ce qui en a été fait? Et puis surtout, 6 ans après, est-ce que les risques qui ont été identifiés ont été matérialisés ou pas? Alors, bon, on a eu un calendrier très serré. On a rendu le rapport, il a été rendu au mois de septembre et l'application provisoire, elle était prévue pour le 21 septembre. Donc, évidemment, en l'espace de 15 jours, on ne pouvait pas faire grand-chose. Ceci dit, le gouvernement français a travaillé sur un plan d'action qui visait à tenir compte, hein, d'un certain nombre de nos propositions, de nos inquiétudes. Je pense qu'on va y revenir, mais il y avait la proposition du veto climatique qui était centrale dans le rapport. Mais qui a fait l'objet d'une transposition dans le traité CETA, mais sous une forme très largement édulcorée par rapport à ce que l'on avait proposé. Alors bien évidemment, voilà, le gouvernement français n'était pas seul, hein, il faut tenir compte de tous les partenaires commerciaux. Maintenant, 6 ans plus tard, est-ce que les risques se sont révélés? C'est compliqué à dire. Et je pense que Mathilde aura plus d'éléments, en tout cas par rapport aux chiffres, etc. Ce que je peux dire, c'est que la question de l'adoption de clauses miroirs au niveau de l'Union européenne, c'est vraiment un sujet qui est devenu central il y a 2, 3 ans, au moment de la présidence française de l'Union. Et il est apparu très clairement que l'Union européenne ne pourrait pas augmenter son réseau de clauses miroirs, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'utilisation des pesticides, des farines animales, ce genre de choses. Si dans des traités comme celui du CETA, on avait les conditions qui sont celles qui sont actuellement posées et qui rendent vraiment très compliqué le fait d'adopter finalement une clause miroir qui, du point de vue des traités commerciaux est analysée comme une entrave au commerce et qui donc par principe doit être supprimée, sauf exception. Ça, c'est une chose. Et finalement, si le dispositif de clause miroir n'est pas plus avancé que cela dans la réglementation européenne, c'est en grande partie parce qu'il y a un risque que cela se heurte au CETA, aux accords de l'OMC ou à d'autres traités. Et puis, sur le chapitre investissement, alors évidemment, on n'a pas de recul puisqu'il n'est pas en vigueur. Néanmoins, il y a quand même une donnée nouvelle, alors qui n'est pas nouvelle, mais en tout cas qui aujourd'hui fait l'objet vraiment de beaucoup plus d'attention. C'est la contrariété très claire entre ce type d'accords qui ont vocation à protéger tous les investissements, tous secteurs confondus, quelle que soit la valeur sociale, je dirais, des activités. Et les engagements au titre de l'accord de Paris. Ce sont des contradictions qui ont été dénoncées par le GIEC dans son dernier rapport, dans le sixième rapport, qui ont été pointées du doigt par plusieurs agences de l'ONU. Et on a le précédent, bien évidemment, de la dénonciation du traité sur la charte de l'énergie, qui montre que les choses avancent, mais aujourd'hui, ce serait complètement contradictoire de dénoncer le TCE et de ratifier le traité CETA, puisque potentiellement, le traité CETA protège exactement les mêmes investissements que le traité sur la charte de l'énergie. Donc, il y a des éléments, d'un point de vue juridique, on avance, hein, sur des éléments qui viennent confirmer que ce type de traité sont des obstacles potentiels à l'adoption de mesures ambitieuses en matière de protection de l'environnement, en matière de protection de la santé. Avec en vérité un véritable enjeu de cohérence aussi de l'action de l'Union européenne. Je vais passer à Mathilde. Est-ce que l'Institut Veblen en fait a publié début janvier une étude sur les retombées économiques de l'accord. Est-ce que tu peux nous dresser un court bilan des 6 années d'application provisoire du CETA? Quel impact sur les échanges UE Canada? Quels effets sur l'environnement, etc. Oui, bien sûr, merci. Effectivement, pour la première fois, finalement, le Parlement français a été amené à se prononcer sur la ratification d'un accord avec un certain recul sur la mise en application provisoire de tout le volet commercial.
Et donc, ça permet de regarder déjà un premier état des lieux à la fois qualitatif et quantitatif des effets du CETA. Et en réalité, l'exercice qu'on a fait en janvier montre qu'on est sur quelque chose qui, comme c'était annoncé, est assez faible comme effet économique général. Puisque en fait, enfin, c'est pas très étonnant, hein, le commerce était déjà très très libéralisé entre les deux régions, et il restait des pics tarifaires dans quelques domaines, mais l'effort, c'était vraiment d'aller ensuite sur l'aplanissement des différences de réglementation au-delà des barrières tarifaires. Et donc, en dépit de la communication très très positive qui a été faite par la Commission européenne au moment des 5 ans de l'application provisoire du texte notamment, on voit que les effets sont assez imperceptible, notamment si on regarde les exportations européennes vers le Canada de façon générale, elles ont augmenté de seulement 0,7% entre 2017 et 2022 en volume, alors que pendant les 5 années avant l'application provisoire, elles avaient augmenté de 34%. Donc là, on voit qu'on n'est vraiment pas sur quelque chose d'évident. Les chiffres qui ont été avancés par la Commission et par le gouvernement français, c'était des chiffres en valeur. Et c'est vrai qu'a priori, il y a un effet de l'inflation qui fausse un peu la perception. Et puis après, quand on regarde dans le détail, c'est vrai qu'on voit que les secteurs clés qui ont connu les plus fortes progressions en matière d'échange, ce sont surtout les combustibles fossiles, les engrais, les produits plastiques, les véhicules, les produits chimiques, le fer, l'acier, l'aluminium, le nickel, le transport, le tourisme. Donc on n'est pas forcément sur des secteurs qui sont tout à fait compatibles avec la transition écologique, ou en tout cas des secteurs qui ont une forte empreinte environnementale. Alors c'est difficile d'isoler exactement le rôle du CETA par rapport à ces progressions-là, et effectivement sur les importations européennes d'engrais qui ont explosé en provenance du Canada, on peut imaginer qu'il y a aussi eu un effet géopolitique avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine notamment, mais on voit quand même que on est surtout sur des biens et des services qu'on échangeait déjà beaucoup et qui ont continué à augmenter. Et du coup, est-ce que tu peux, pour refaire le lien avec l'actualité, nous expliquer, enfin revenir un peu sur les aspects politiques de ce qui s'est passé au Sénat il y a 1 dizaine de jours et les suites en fait qui seront données ou pas à l'initiative du groupe communiste? Bien sûr, du coup, il faut déjà peut-être voir l'image d'ensemble, c'est-à-dire que le CETA, aujourd'hui, il doit être ratifié dans les 27 États membres, selon les procédures nationales, ce qui prend un certain temps. Il y a seulement 17 États membres de l'Union européenne qui ont dit oui au traité pour l'instant, donc on n'est pas les seuls à pas être encore allés au bout du processus, hein. Il manque la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Pologne et la Slovénie. Et en France, on sait que c'est un accord qui avait suscité beaucoup de réticences depuis le début. Déjà, au moment du vote au Parlement européen en février 2017, il y avait eu une majorité d'eurodéputés français qui avaient voté contre l'accord, et aussi un certain nombre qui s'étaient abstenus. Ensuite, avec les travaux de la commission Schubert, donc il y avait eu un plan d'action du gouvernement pour essayer d'atténuer les impacts négatifs de la mise en œuvre de l'accord, et surtout pour essayer de faire des propositions pour changer le contenu des accords suivants. Et d'ailleurs, à l'époque, Emmanuel Macron avait dit je ne veux pas de nouvelles discussions commerciales avec les règles d'hier qui nous ont conduit à des situations absurdes que nous avons aujourd'hui sur l'accord entre l'Union européenne et le Canada. Il avait dit ça dans son discours de la Sorbonne en septembre 2017 sur l'Europe. Et ensuite, le projet de loi de ratification du CETA a été présenté par le gouvernement au Parlement à l'été 2019, sous forme d'une procédure accélérée en plus. Et finalement, le débat avait été assez houleux déjà à l'Assemblée nationale, puisque l'ensemble des groupes d'opposition avaient voté contre le texte, et même dans la majorité, il y avait eu pas mal de débats et quelques votes négatifs. Et d'ailleurs, à l'époque, le débat avait déjà beaucoup porté sur la question des normes et des divergences réglementaires, en particulier dans le secteur de l'agriculture. Il y avait eu tout un... Une séquence autour de est-ce que du bœuf nourri aux farines animales pouvait être importé ou non. Le gouvernement avait longtemps dit que non, puis finalement il avait reconnu que c'était le cas juste avant le vote, ce qui avait beaucoup ému les parlementaires. Et finalement, ça avait été tellement compliqué pour le gouvernement à ce moment-là que, en dépit de la procédure accélérée, le texte avait jamais été transmis, enfin, avait été transmis au Sénat, mais jamais mis à l'ordre du jour. Il y a eu plusieurs résolutions des sénateurs pour demander à ce que le texte soit inscrit.
mais ça n'avait pas été fait. Ensuite, la Convention citoyenne pour le climat en 2020 avait aussi fait une recommandation pour dire que le gouvernement ne devrait pas ratifier l'accord. Et là, finalement, c'est parce que le groupe communiste du Sénat a mis le texte dans sa niche parlementaire que le texte a été examiné. Et effectivement, un peu comme c'était attendu depuis longtemps, le texte a été rejeté. Donc les prochaines étapes, c'est quoi? Parce que c'est pas le Sénat qui a le dernier mot, ce sera l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot dans cette procédure. Pour ça, il faut que le texte y retourne, ce qui n'est pas encore le cas. C'est un peu extraordinaire, mais le gouvernement n'a pas déclenché la navette parlementaire. Et donc là, les députés communistes avaient annoncé leur intention de mettre le texte à l'examen le 30 mai prochain dans leur niche à nouveau, sauf que ce ne sera pas possible puisque le gouvernement retient le texte au Sénat, au moins jusqu'aux élections européennes. Et après, il y a des vrais questionnements sur, de toute façon, ce qui pourrait se passer si jamais le texte... Enfin, si le texte est validé par l'Assemblée nationale, la France aura ratifié et la procédure sera terminée pour la France. Et après, il faudra attendre le reste des procédures dans les autres États membres. Si jamais l'Assemblée nationale votait contre, normalement, ça voudrait dire qu'on a échec de la ratification en France et que le gouvernement français devrait notifier auprès des institutions européennes cet échec, comme ça avait été prévu par des déclarations additionnelles qui avaient été ajoutées au moment de la décision du Conseil. Et normalement, la Commission européenne devrait faire une proposition de fin de l'application provisoire qui devrait encore être adoptée selon les procédures européennes. Donc, on voit que ça peut encore générer d'autres discussions. Mais là, il y a un flou quand même artistique puisque on a la tête de liste Renaissance qui a annoncé que le texte pourrait continuer à s'appliquer de façon provisoire même si la ratification échouait en France. Donc, ce qui voudrait dire que le gouvernement français pourrait se refuser de notifier cet échec. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé déjà avec Chypre, puisque le Parlement chypriote avait refusé le CETA et que, a priori, le gouvernement compte refaire voter son Parlement. Donc ouais, on voit bien donc, finalement que rien n'est fait et qu'il y a un Ben, véritable... il y a une chose qui est certaine, c'est que si jamais le texte était mis en échec quelque part, le volet investissement ne rentrerait pas en application. Ça, c'est ce dont on est sûr. Après, sur la partie commerciale du texte, qui est quand même une grosse partie de l'accord, qu'on pourrait mettre fin à l'application provisoire, on voit que c'est compliqué, qu'il n'y a pas de date de péremption d'une application provisoire comme ça. Et donc là, il peut encore y avoir beaucoup de discussions. Je ne sais pas si Sabrina, vous avez des choses à ajouter sur les effets, les conséquences juridiques de l'échec de la ratification dans un État membre pour l'accord. Oui, merci. Alors, Mathilde a très bien expliqué. Peut-être, je voulais revenir sur enfin, ce mécanisme d'application provisoire. En fait, c'est propre au fait qu'avec le CETA, on est en présence d'un accord mixte, c'est-à-dire un accord dont certaines parties relèvent de la compétence exclusive de l'Union européenne, pour laquelle finalement les États ont abandonné leurs compétences, ont transféré leurs compétences à l'Union. Et ça concerne finalement tout le volet commercial, donc 90% du volet. Et puis, dans le traité CETA, on va trouver encore des dispositions qui relèvent à la fois de la compétence des États membres et de la compétence de l'Union européenne. Et c'est le cas pour certains mécanismes du chapitre 8 sur l'investissement et notamment le mécanisme de règlement des différends. C'est pas du tout exceptionnel hein, que finalement un accord mixte entre en application provisoire pour les parties qui relèvent de la compétence de l'Union, puisque l'Union, elle, a été au bout du processus de ratification, de même que le Canada pour le CETA, et que cette application provisoire, elle dure voilà, 5, 10, 15, 20 ans. Il n'y a pas de durée limite de cette application provisoire. Et ce qui permet d'avoir un débat sur le traité CETA au niveau des États, c'est parce qu'il y a ce chapitre investissement. Si on prend l'accord de libre-échange Union européenne-Nouvelle-Zélande, qui a été signé il y a quelques mois, il va entrer en vigueur très rapidement et on n'a pas besoin de passer par la ratification par les États membres, puisque ça relève de la compétence exclusive de l'Union européenne. Donc évidemment, ça pose aussi hein, tout un tas de questions sur cette répartition des compétences et sur probablement un manque d'entente, en tout cas, de positionnement identique entre l'Union européenne et les États membres. Mais effectivement, sur cette question de l'application provisoire,
Le rejet du traité peut être bloqué politiquement, puisque même si le processus allait jusqu'au bout pour rejeter le traité en France, ça ne signifierait pas nécessairement que le gouvernement notifie officiellement le rejet, l'échec définitif de la procédure de ratification en France, et ça laisserait le traité s'appliquer provisoirement, mais en réalité dans sa quasi-intégralité. Alors, je veux dire à nos auditeurs de ne pas hésiter à poser des petites questions. Il n'y en a pas pour l'instant, mais moi, j'en ai peut-être une à reposer aussi à Mathilde, plus politique, hein, sur dire non, en fait, au CETA. Est-ce que ça met la France dans une position délicate pour dire non à l'accord UE-Mercosur? Alors, déjà, c'est compliqué quand on doit dire non à un accord en fin de course, parce qu'il faut avoir en tête la temporalité. C'est-à-dire que le CETA, il a été négocié entre 2009 et 2014. Ensuite, il y a eu des tractations politiques entre 2014 jusqu'en 2017 pour qu'il soit signé puis examiné au niveau européen. Sur le Mercosur, c'est encore pire, entre guillemets, puisque les négociations ont commencé en 1999. Et elles ont abouti en 2019. Et depuis 2019, on a aussi à nouveau des tractations plus politiques. Et c'est vrai que c'est très difficile quand on est sur des accords mixtes comme ceux-là, pour un État membre de se retrouver dans la situation de faire tomber tout l'édifice en quelque sorte et de prendre la responsabilité de cet échec-là. En même temps, c'est le résultat du mauvais fonctionnement de la politique commerciale, c'est-à-dire que on a quand même des accords qui ont été négociés dans une très grande opacité. Les mandats de négociation que la Commission européenne avait reçus de la part des États membres étaient tenus secrets. C'était la pratique. Et celui pour le Mercosur, par exemple, il a seulement fuité. Et c'est comme ça qu'on l'a connu. Ensuite, le contenu des discussions a été très largement tenu secret. Et à la fin, on se retrouve du coup avec un texte à prendre ou à laisser, avec oui, non et très peu de marge de manœuvre. Enfin, on le voyait sur le travail qui a été fait par la commission Schubert. Finalement, il y avait quand même des choses qui auraient pu permettre éventuellement d'améliorer le contenu du texte. Mais déjà en 2017, on considérait que c'était trop tard pour le faire. Donc, c'est vrai que cette impasse-là, c'est un peu une impasse démocratique et qui devrait nous inviter à revoir le fonctionnement de cette politique. Parce que si il y avait des possibilités de faire des propositions sur le contenu réel des accords, peut-être que la phase de ratification serait ensuite moins difficile. Et ensuite, évidemment, il y a un coût politique à dire non à un accord, mais peut-être que ce serait un coût nécessaire pour faire évoluer le logiciel de négociation, puisque jusqu'à maintenant, la Commission européenne s'est un peu dit, bah, tant que ça passe, on continue comme ça, et le logiciel évolue très peu sur des accords qui nous engagent pour des dizaines d'années, en fait. Et c'est ça aussi qui est problématique, c'est qu'on le voit là, le CETA est déjà, entre guillemets, obsolète par rapport à ce qui a été discuté dans des accords plus récents. Et en même temps, c'est ce format-là qui sera retenu pour tous les échanges bilatéraux pour certainement dizaines d'années à venir. Et d'ailleurs, le Canada lui-même avait déjà fait des propositions pour essayer de renforcer certains aspects du texte. Et là, c'est la Commission européenne qui avait refusé. Donc, on voit que c'est vraiment pas satisfaisant la façon dont ça fonctionne. Après, chaque accord est assez différent. Et sur l'accord UE-Mercosur, on a une vraie question là aussi qui n'est pas résolue. C'est que normalement, on est sur un accord mixte parce que c'est un accord d'association, et donc il y a un volet politique et c'était prévu comme ça, et le Conseil en 2018 avait redit qu'il voulait absolument que ce soit examiné comme un accord mixte, donc avec une procédure de ratification dans l'ensemble des États membres, et ce qui veut dire aussi que normalement un État membre pourrait mettre son veto au Conseil sur l'accord UE-Mercosur, mais on le voit là, la Commission européenne a vraiment pas envie de se retrouver dans la même situation politique que pour le CETA, et donc elle est très tentée de redécouper l'accord pour le présenter autrement. Ce qu'elle a fait sur d'autres accords avec le Chili, notamment le Japon, le Vietnam, etc. Et donc, pour pas avoir ce risque d'un veto par un État membre. Okay. J'ai une question de Philippe Barret que je vais vous lire. Alors, il semble avoir une grande disproportion entre le débat médiatique sur les accords CETA et Mercosur, qui porte essentiellement sur les produits agricoles, surtout la viande, et le périmètre réel des accords et des échanges qui portent essentiellement sur d'autres produits. Par ailleurs, quel pourrait être l'impact de la crise agricole sur la procédure en cours? Moi, je peux dire un premier mot. C'est vrai que déjà dans les travaux qui avaient été faits par la commission Schubert, l'agriculture, ça n'était qu'une petite partie de tout le rapport qui avait été rendu.
Il y avait quand même beaucoup d'autres choses qui avaient été mises en avant, y compris sur les services, y compris sur l'investissement, etc. Donc je pense que c'est effectivement important d'avoir ça en tête. Après, cette commission, elle avait quand même notamment les deux personnes qui avaient en particulier travaillé sur l'agriculture et sur les questions vétérinaires aussi, avaient fait un travail assez fin d'identification des divergences réglementaires et montré à quel point, du coup, c'était délicat de libéraliser complètement les échanges sans chercher à faire appliquer des normes au moins équivalentes parce que ça n'a pas de sens de proscrire l'usage de certains pesticides qui sont mauvais pour la biodiversité dans l'Union européenne et de se désintéresser du fait qu'ils ont été utilisés ou pas pour des produits importés. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup alimenté le débat public ensuite en France. Et c'est vraiment issu, je dirais, de ce rapport Schubert. Et évidemment, la crise agricole, enfin, du monde agricole des dernières semaines a aussi eu un effet loupe sur ces questions-là. Mais la question de la protection des investissements a quand même été abordée pendant le débat au Sénat, même si dans des proportions bien, bien moindres, alors même que c'est quand même la principale question qui était posée aux parlementaires français. Et c'est sûr qu'il faut quand même avoir en tête que parmi les grands secteurs, j'en citais tout à l'heure, qui bénéficient de ce genre d'accord, il y a le secteur de la chimie, le secteur de l'automobile, enfin voilà, beaucoup, beaucoup d'autres choses, et sur lesquelles il y a aussi des incohérences d'ailleurs avec nos engagements environnementaux, puisque on a des accords comme le CETA, le Mercosur, qui baissent les droits de douane sur les exportations européennes de produits chimiques, y compris des pesticides interdits qu'on ne commercialise plus dans l'Union européenne. On a des accords qui baissent les droits de douane sur des produits plastiques, y compris des produits plastiques à usage unique qu'on a bannis du marché européen. Enfin voilà, il y a plein d'autres domaines dans lesquels il y a aussi un effort de mise en cohérence à faire. Oui. Sabrina, je ne sais pas si vous voulez réagir aussi. Oui, je peux ajouter quelque chose. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a vraiment un focus sur l'agriculture, alors que en fait, ce sont vraiment des accords qui portent sur toutes les marchandises qu'il est possible d'échanger, toutes les activités en termes d'investissement qu'il est possible de développer à l'étranger. Enfin, il me semble que le débat se soit focalisé sur l'aspect agricole, ça dénote quand même l'un des grands inconvénients, enfin l'une des grandes faiblesses de ces accords, à mon sens, c'est que ce sont des accords globaux dans lesquels l'Union européenne va chercher à pénétrer certains marchés extérieurs, donc effectivement le marché de l'automobile, le marché des services pour un certain nombre d'États membres qui sont particulièrement dynamiques dans ces secteurs. Et en échange, on ouvre nos marchés agricoles. Donc en fait, ça nous était apparu pendant les discussions et pendant les auditions à la commission Schubert. Voilà, on avait très très, on nous avait dit concrètement, le gouvernement, oui, on échange des voitures. Enfin, c'est très caricatural, mais c'est à peine finalement, on échange des voitures contre de la viande de bœuf. Donc ça, c'est un vrai problème, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas, il me semble, essayer de construire, élaborer des accords de libre-échange qui soient soutenables, qui soient conformes aux engagements environnementaux des États, sans procéder sur des segments plus fins, des accords sectoriels, etc., etc. Cette problématique de l'accord global, elle montre qu'il y a un vrai problème de dimension, en fait, de ces accords et d'inspiration. Évidemment néolibéral, mais qui repose encore hein, sur une théorie selon laquelle il faut, enfin c'est la théorie des avantages comparatifs, hein, tout simplement. Chaque État doit exproprier ce dans quoi il est le meilleur, sans forcément apprécier la valeur environnementale et l'impact environnemental et des marchandises et du seul fait aussi d'échanger, importer de l'agneau de Nouvelle-Zélande ou importer du bœuf de Canada, même s'il est sans hormones, puisque ça c'est prévu dans la réglementation européenne, ça a un coût en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, je pense que c'est quand même assez révélateur de la problématique autour de ces accords. Wojtek, tu lèves la main. Oui, je merci de me l'avoir accordé. Je me permets un peu une question dans la continuité de ce qu'a dit Sabrina. En creux, quels sont les bons accords de commerce? Oui. C'est un peu sous-jacent à la critique. Par exemple, est-ce que c'est des accords justement qui ne sont pas globaux, mais sectoriels? Comment vous voyez ça?
Je pense que c'est utile aussi pour les publics qui n'est pas forcément très spécialisé dans les accords de commerce, de rappeler en gros ce qui était un peu implicitement présent déjà de ce que vous avez dit. Mais si vous pouvez résumer un peu, qu'est-ce qui ne va pas vraiment dans les accords aujourd'hui et que propose l'Institut Veblen ou que propose Sabrina Robert, que proposons-nous? Voilà. Oui, merci. Mais ça, de toute façon, on va y venir dans le fil de la discussion, hein. Et d'ailleurs, c'était en fait le Ah, deuxième point. pardon, dans ce cas-là. Enfin... Et voilà, je voulais justement vous proposer qu'on élargisse la discussion et qu'on réfléchisse un peu aux propositions et pistes de réflexion pour justement une réforme en profondeur de la politique commerciale avec un petit contexte, hein. C'est qu'on voit qu'au cours du mandat là, qui est en train de s'achever, qu'il y a eu quelques efforts d'intégration des enjeux environnementaux dans la politique commerciale de l'Union européenne, et surtout à travers les différentes mesures unilatérales qui ont été prises par l'Union européenne pour conditionner l'accès à son marché à certains les exigences essentielles en matière de durabilité, d'environnement et de santé. Donc, c'est les mesures miroirs. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le changement de logiciel qui apparaît, il ne se reflète pas encore dans le contenu des accords de commerce. Donc, Sabrina Robert, j'avais une question pour vous. Déjà, est-ce que les choses qui ont été mises sur la table par l'Union européenne dans ces nouvelles stratégies pour la politique commerciale, je parle des documents qui ont été publiés en 2021 et 2022, est-ce que selon vous, ce qui est mis sur la table est à la hauteur des enjeux? Vaste question. En fait, déjà, effectivement, la Commission européenne fait sans cesse évoluer sa politique commerciale commune. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Elle tire les leçons des critiques qui lui sont adressées, de la pratique aussi des autres États. Il y a quand même une ressemblance, hein, assez forte entre ce que l'Union européenne a mis en place à partir des années 2010. Après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui modifia le périmètre de la politique commerciale commune et ce qui était auparavant prôné par les États-Unis. Et en fait, ça évolue sans arrêt. Donc ça, c'est une première chose pour dire que quand aujourd'hui, et Mathilde, tu l'as dit, hein, quand en 2024, on dit que le traité CETA, c'est un très bon accord, ben non, puisqu'en fait, il n'est plus à jour par rapport aux préconisations actuelles de la Commission européenne. Maintenant, la Commission européenne a fait un vrai volte-face en 2022, puisque jusqu'alors, elle refusait d'envisager la possibilité d'adopter des sanctions commerciales contre des partenaires commerciaux dans le cadre d'accords de libre-échange qui ne respecteraient pas leurs engagements environnementaux au titre de l'accord de Paris, etc. Que font les États-Unis depuis très longtemps. Et en 2022, elle a adhéré finalement à cette approche sanctionnatoire. Et par ailleurs, elle a décidé que, à l'avenir, tous les accords de libre-échange qu'elle négociera, qu'elle signera et ratifiera, auront pour élément essentiel, c'est le terme juridique, un certain nombre d'engagements environnementaux. Et alors, pour le moment, il est essentiellement question de l'accord de Paris sur le climat. Alors ça, c'est symboliquement, c'est très important. Parce que c'est un signal envoyé aux partenaires commerciaux et puis de manière générale, un signal que le libre-échange, le commerce, c'est pas un acquis, c'est pas un droit et bien on va commercer avec des partenaires qui assurent le même niveau d'ambition en matière de protection de l'environnement, en tout cas pour le climat, puisque pour le moment c'est surtout limité à l'accord sur le climat. Concrètement, les mécanismes juridiques qui ont été introduits, alors pour le moment, c'est l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui adopte cette approche. On a aussi l'accord post-Brexit avec le Royaume-Uni, mais c'est un petit peu particulier parce que ce que l'Union européenne a réussi à négocier avec le Royaume-Uni, elle n'est pas forcément en position de le négocier avec d'autres partenaires. Les mécanismes juridiques, à mon sens, ils ne sont pas opérationnels. Il est prévu, hein, dans l'accord avec la Nouvelle-Zélande que, en cas de violation manifeste par l'une des parties de ses obligations au titre de l'accord de Paris sur le climat, des concessions commerciales pourront être suspendues. Donc, on pourra adopter des sanctions commerciales. Visiblement, il s'agira de rehausse des droits de douane, de réintroduction des droits de douane. Ça me semble difficile à mettre en place parce que quand on regarde l'accord de Paris et son fonctionnement, tout a été fait pour qu'il soit impossible de constater une violation de l'accord de Paris. Donc, s'il n'est pas possible dans le cadre juridique de l'accord de Paris
de constater une violation, je ne vois pas comment on pourrait constater une telle violation dans un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande ou avec un autre partenaire. Donc, on avance, mais les mécanismes qui sont envisagés, pour le moment, moi, me semblent assez peu opérationnels. Et puis, je dirais que même si l'Union européenne, alors c'est la Commission, hein, essentiellement, elle révise sa politique commerciale commune sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ça évolue, mais elle a déjà un train de retard, puisqu'aujourd'hui, elle se focalise sur l'accord de Paris. C'est fondamental, la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi indissociable de la protection de la biodiversité, de la lutte contre la pollution plastique, etc. Donc ça va pas assez vite. Enfin, le temps de la négociation des accords de libre-échange, il est beaucoup trop lent par rapport à la nécessité d'adapter ce commerce international aux enjeux environnementaux. Et j'ai une question. Enfin, quel type d'accord on pourrait élever au rang, enfin, d'accord de protection de l'environnement, par exemple, on pourrait élever au rang d'éléments essentiels, lesquels choisir de manière à ce que ça soit vraiment opérationnalisable? Nous, on s'interrogeait sur l'idée, justement, Ouais. d'en faire de même pour tout ce qui a trait à la protection de la biodiversité, au cadre de Kunming-Montréal, qui pose Oui, quand oui, même oui. un certain Ben, nombre de. là, en effet, il faut. Alors, en fait, ça, c'est pas faisable, hein, en réalité, parce que ce type de conditionnalité, l'Union européenne le pratique depuis longtemps dans un certain nombre d'accords de partenariat, notamment avec les pays ACP, les pays Afrique-Caraïbes-Pacifique, mais avec d'autres États, en matière de respect des droits de l'homme et de respect des droits sociaux, toute la réglementation qui émane de l'Organisation internationale du travail. Et donc, on peut, hein, identifier des conventions. Alors, évidemment, l'une qui paraît évidente, c'est la Convention de Rio sur la biodiversité, qui est au moins aussi importante que l'accord de Paris. Il y a le protocole de Montréal sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, qui mériterait aussi, hein, qu'on lui porte une certaine attention, parce que même si le trou dans la couche d'ozone est en bonne voie d'être résorbé, il ne faut pas maintenir l'attention sur cette problématique. Et voilà, il y a un ensemble d'accords multilatéraux sur l'environnement qui mériterait d'avoir le même sort, la même place au sein des accords de libre-échange que l'accord de Paris, qui de toute façon ne peut pas fonctionner, l'accord de Paris, si on l'isole complètement des autres accords sur l'environnement. Okay. Est-ce qu'on peut maintenant passer peut-être aux pistes de propositions concrètes pour changer de logiciel? Je demande à Mathilde si tu peux nous présenter trois pistes pour mieux aligner et intégrer ces enjeux dans la politique commerciale. Bien sûr. Alors, c'est vrai que les propositions qu'on a apportées à l'Institut Veblen sur ces sujets-là, au départ, c'était d'essayer d'être beaucoup plus sélectif dans les biens et services sur lesquels on voudrait promouvoir les échanges, en fait. Et donc ne plus baisser les droits de douane pour les produits chimiques en général, ne plus baisser les droits de douane sur les produits plastiques en général, etc. Mais être beaucoup plus sélectif sur la partie des échanges qu'on peut faire croître et celle où, au contraire, qu'on devrait plutôt essayer de faire décroître. Et on pense que la politique commerciale, elle a un rôle à jouer dans cet effort-là, même si effectivement, après, ça renvoie aux normes de production et aux normes de consommation des États membres. C'est quand même, on ne peut pas tout enfin, se dire que tout devra être fait par les États membres et qu'on se désintéresse dans ce qu'on échange. Et des fois, on entend un peu ce genre d'argument de dire, bon, mais si les autres l'acceptent, pourquoi on s'abstiendrait de produire des pesticides interdits chez nous tant que les autres en consomment? Sinon, c'est les Chinois qui vont les faire et qui vont les exporter. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit un peu plus sérieux dans la façon dont on envisage d'appliquer nos engagements internationaux sur ces différents sujets. Donc, il y a une question de sélectivité. Après, même sur certains biens et services, la façon dont ils sont produits est importante, et ça c'est quand même un peu un grand tabou des règles du commerce international, c'est que les fameux procédés et méthodes de production, les États s'étaient un peu mis d'accord pour pas y toucher en fait, et de se dire on a le droit de mettre des règles sur ce sur quoi on commerce quand ça a un impact sur le produit fini, et quand ou alors par exemple sur la santé du consommateur,
Mais les règles pour produire qui ne sont pas visibles dans le produit fini, on n'y touche pas et ça relève de la responsabilité du pays producteur. Aujourd'hui, maintenant qu'on est sur des enjeux globaux comme le changement climatique, comme l'effondrement de la biodiversité, on voit qu'on ne peut plus faire cette impasse-là et ça crée beaucoup de difficultés parce qu'évidemment, les États sont réticents à aller dans ce sens-là et parce que tout le monde a peur que ce soit un prétexte pour faire du protectionnisme et pour favoriser ses propres acteurs économiques. Mais en réalité, quand l'Union européenne fait un règlement sur la déforestation importée, c'est exactement ce qu'elle fait. C'est-à-dire, je fais une distinction entre des produits qui ont été produits de manière soutenable et des produits qui ont été produits avec un impact sur la déforestation. Et je considère que ces deux biens-là, même si pour le consommateur, dans son utilisation, c'est la même chose, la façon dont ils ont été produits doit être un critère de différenciation entre eux. Et donc, ça commence à être fait. Il y a certainement un espace dans les règles actuelles de l'OMC pour défendre ce genre de mesures, mais on voit ça crée beaucoup de discussions à l'OMC et les accords de commerce bilatéraux, ça a été dit, peuvent aussi être invoqués pour essayer de dissuader les États d'aller dans ce sens-là. Donc ça, on a un vrai effort de mise à jour des règles commerciales à l'aune de ces enjeux très, très contemporains. Et puis après, y a une autre question plus générale, mais c'est vrai que comme on a déjà tellement aplani les droits de douane, qu'on le disait, les accords comme le CETA, ce sont des accords qui visent à essayer de baisser les barrières non douanières au commerce, non tarifaires. Et donc là, on est plutôt sur des questions d'essayer d'harmoniser les réglementations. Et en fait, on peut vraiment s'interroger sur l'utilité de mettre ce genre de coopération réglementaire dans un accord de commerce. Parce que si on le fait, ça veut un peu dire que on cherche à faire cette harmonisation réglementaire pour fluidifier le commerce. Et si l'harmonisation réglementaire peut avoir un effet bénéfique sur le commerce, ça devrait peut-être pas être le premier effet recherché. Et notamment, enfin nous, ce qu'on a dit depuis longtemps, c'est que la boussole de la coopération réglementaire, ça devrait être le renforcement de la protection de l'environnement, des consommateurs, des producteurs et des travailleurs, etc. Et donc qu'on devrait peut-être sortir ces discussions sur l'harmonisation des règles, des accords de commerce et des négociations commerciales et les avoir de façon beaucoup plus ambitieuse, avec beaucoup plus d'énergie dans d'autres forums. Et en tout cas, c'est là où les efforts récents de l'Union européenne pour essayer de mettre des règles plus exigeantes sur l'accès au marché nous paraissent intéressants, parce qu'en fait, quelque part, elle met les pieds dans le plat. Et c'est parce qu'on n'arrive pas à avoir des règles à harmoniser plus ambitieuse sur les pesticides au Codex Alimentarium ou dans d'autres forums que l'Union européenne du coup décide de faire des choses de façon unilatérale et c'est certainement pas la solution la plus optimale à l'échelle internationale mais on l'espère ce sera aussi une façon de provoquer des discussions qui pourront aller plus loin dans ce genre de forum. Pour rebondir sur ce que tu dis, je demande à Sabrina, effectivement, qu'est-ce que ça traduit, effectivement, ce recours à l'unilatéralisme? Qu'est-ce que ça traduit? Qu'est-ce que ça dit? Et puis, qu'est-ce que vous pensez aussi du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui fait vraiment l'objet d'une opposition assez importante des États en développement au sein de l'OMC? Oui, alors clairement, pour moi, le recours à l'unilatéralisme dont fait preuve l'Union européenne avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le règlement sur la déforestation et d'autres dispositifs, c'est une faillite à la fois du droit international économique et du droit international de l'environnement. C'est parce que ça ne fonctionne pas au niveau multilatéral que finalement l'Union européenne adopte et essaie de faire passer au forceps sa mesure, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour essayer de convaincre finalement les autres États d'adopter des dispositifs comparables, alors même que, en fait, hein, cette idée d'étendre, en fait, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est une sorte de clause miroir pour le système d'échange de quotas européen. Ça aurait dû être négocié dans le cadre des COP climat.
Ce que ça m'inspire aussi, c'est que, encore une fois, les accords de libre-échange sont de vrais obstacles pour avancer sur ces sujets, parce que l'Union européenne n'est pas la première à avoir voulu mettre en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. La première fois qu'on en parle en Europe, c'est dans les années 2010. Et par ailleurs, aux États-Unis, on réfléchit. Certains États fédérés, la doctrine aussi, les économistes, les juristes réfléchissent à la mise en place de ce type de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Alors pour les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour d'autres types d'émissions depuis les années 1990. Il y a une littérature foisonnante sur le sujet, mais depuis 1990 jusqu'à ce tour de force finalement de l'Union européenne. Ces dernières années, en fait, l'obstacle principal à l'adoption de ce type de mesure, c'est ça ne passera pas, ce sera contraire au droit de l'OMC. Au droit de l'OMC, hein, voilà, là on parle du GATT, l'accord général sur le commerce des marchandises, qui a été adopté en 1994, mais qui est un copier-coller d'un accord de 1947 qui lui-même est un mélange d'accords qui avaient été négociés au fin 19e, début 20e siècle. Donc en fait, ce qui bloque l'adoption de ce type de mesure auquel on réfléchit aujourd'hui, c'est un accord quand même qui est extrêmement ancien, qui est désuet, mais qui sert encore largement de modèle aux accords de libre-échange nouvelle génération, comme le CETA, comme l'accord Mercosur, l'accord Nouvelle-Zélande, etc. Donc ça, clairement, les règles du jeu, elles sont obsolètes, elles sont dépassées, et il faut... On parle aujourd'hui principalement du CETA, mais en réalité, il faut revoir toute la matrice, hein, dans son ensemble. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, tel qu'il a été adopté par l'Union européenne, à mon sens, il est encore contraire au droit de l'OMC. Il y a un certain nombre de filtres dans lesquels il ne passe pas. D'abord, on ne sait pas très bien comment le qualifier. Est-ce que c'est une taxe du point de vue de l'OMC? Est-ce que c'est une restriction quantitative, etc.? C'est un dispositif qui introduit au sens du droit de l'OMC un élément de discrimination, puisqu'il va traiter différemment des produits en fonction de leur empreinte carbone. Et ça, l'empreinte carbone, ce n'est pas un intrant dans le produit, hein, c'est un procédé de fabrication qui n'entre pas dans l'appréciation de la similarité du produit. Enfin bref, tout ça ne passe pas. Et ce qui fait que pour le moment, il n'y a pas encore eu d'action dans le cadre de l'OMC. C'est bon, à l'OMC, on traverse aussi une crise institutionnelle, une crise de positionnement de l'institution par rapport à son avenir. Mais il est clair que, à partir du moment où la Commission européenne a annoncé l'adoption du mécanisme d'ajustement carbone en 2019, les discussions à l'OMC, on peut regarder, on peut s'amuser à regarder les comptes rendus dans les différents comités, c'est un vrai travail de harcèlement, en fait, auprès de l'Union européenne pour lui dire, mais c'est discriminatoire, c'est de la restriction déguisée, etc., etc., pour essayer de faire pression auprès de l'Union européenne, qui n'a pas lâché sur ce dispositif, mais sur d'autres mesures qui pourraient très bien, être moins vaillantes dans le fait de porter ces mesures phares. Et puis, sur le règlement sur la déforestation, là aussi, hein, il y a beaucoup de contestations. Au niveau de l'OMC, mais ça peut très bien aussi se manifester au niveau de certains accords de libre-échange bilatéraux ou régionaux, et où là, finalement, un recours n'est pas à exclure. Oui, effectivement, oui. Faillite un peu défaillance du droit international de l'environnement, des enceintes climat, mais aussi nécessaire réforme des règles de l'OMC, on le voit avec ces mesures-là. Alors, j'ai pas de questions directement sur cette partie, mais j'en ai une. On revient un petit peu en arrière, j'ai pas eu le temps de vous la lire, de Jonas Jacquard sur le CETA. Qui nous pose une question sur la question de l'opposition des États membres aux accords. Il nous prend l'exemple de l'accord Union européenne et pays andins, où malgré la signature nécessaire de la région bruxelloise, il y a eu une pression qui a été exercée par la Commission européenne pour que la région bruxelloise ratifie l'accord final. Elle a fini par avoir raison de l'opposition de la société civile, d'où les deux questions de Jonas. Quelle est l'indépendance réelle des États membres dans leur choix, surtout dans l'éventualité d'un isolement au sein de l'UE? Et quelle perspective pour le CETA?
Et deuxième question, alors pour en avoir discuté avec des partenaires de la société civile péruvienne, bien avant la ratification finale, le cœur de l'accord était déjà largement implémenté. Même s'il y a un blocage d'un ou plusieurs États membres pour le CETA, et sachant qu'un retour en arrière sur le volume des échanges est très peu probable, quel impact réel sur les échanges? Alors, je sais, Mathilde, peut-être, si tu peux apporter quelques Bah, éléments. sur les pressions, on a effectivement vu là pendant juste avant le vote au Sénat, beaucoup aussi enfin les sénateurs eux-mêmes ont dit qu'ils avaient rarement reçu autant de sollicitations que juste avant ce vote, et ils ont reçu beaucoup de choses, y compris des institutions européennes, de l'ambassade du Canada, du gouvernement, etc., plus de la société civile, donc des entreprises. Enfin, ça a été un moment très. Ils ont été sous le feu des projecteurs et ils l'ont dit, ils l'ont fait savoir. Donc, je veux bien croire que pour des élus de régions politiques de plus petite taille, cette pression-là peut apparaître encore plus forte. Et c'est là où il y a certainement quand même un intérêt, et ce que font insuffisamment, à mon avis, les États membres, à travailler collectivement ces enjeux-là, puisqu'on sait quand même que. Il y a un certain nombre de réticences qui étaient partagées par la Wallonie au moment de la signature du CETA, où elle s'est retrouvée un petit peu seule, et alors même que c'était les mêmes débats qui traversaient les Pays-Bas, la France, l'Autriche, etc. Donc je pense qu'il y aurait quand même une vraie vertu à ce que les États membres travaillent un petit peu plus ensemble dans les formulations. D'amendements de la politique commerciale qui pourrait avoir à faire auprès de la Commission européenne. Et ensuite, sur la remise en cause, on entend un peu les deux discours, parce que quand on regarde aussi les rapports annuels sur la mise en place de la mise en œuvre de la politique commerciale, on voit que des fois les accords de commerce sont insuffisamment utilisés par les acteurs économiques, et qu'il y a un gros travail qui est fait par la Commission européenne pour faire connaître les accords de commerce, pour s'assurer que les entreprises activent bien leurs droits et utilisent bien les avantages qui sont prévus dans le cadre des accords. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un accord qu'automatiquement tout le monde l'utilise de façon active. Et comme je disais, d'un point de vue commercial, l'impact n'a pas non plus été absolument flagrant. Donc, je ne pense pas que ce serait. Une déflagration économique majeure que de revenir sur les dispositions commerciales. Mais après, tout est fait pour qu'effectivement, on ne revienne pas dessus et qu'il y ait ce statu quo qui perdure. Okay. Sabrina, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose ou. Juste sur la remise, qu'est-ce que ça remettra en cause? Alors, en termes de flux commerciaux, effectivement, probablement pas grand-chose. Mais si vraiment le CETA devait être abandonné, on mettrait un terme, par exemple, aux dialogues bilatéraux sur les produits de biotechnologie, on mettrait un terme aux dialogues bilatéraux sur les véhicules et les normes d'émissions, etc. En fait, c'est pas tant, enfin, il me semble, hein, que c'est pas tant pour le Canada. Il y a eu des fantasmes, hein, on va être abondé par la viande aux hormones. Ça, encore une fois, non, puisque c'est interdit en Europe depuis 1985 et ni le CETA ni aucun accord ne peut remettre en cause ça. Un accord de libre-échange ne créera jamais un appel d'air gigantesque sur les importations ou même sur les exportations. Mais c'est vraiment l'impact du traité sur la marge de manœuvre des parties pour maintenir leur réglementation en place lorsque cette réglementation n'est pas la même que celle du partenaire, ou pour adopter de nouvelles réglementations qui risquent de réintroduire des obstacles au commerce. C'est surtout en ça que ces accords peuvent avoir un impact, et le fait de sortir de ces accords, ça libère quand même les pouvoirs normatifs d'un certain nombre de contraintes qui sont là, effectivement, non pas pour aller vers un plus-value environnemental ou social, mais pour aller vers un aplanissement des conditions de commerce, de fluidité du commerce au niveau mondial, en fait. Ok, le temps file, donc je vous propose maintenant de passer au dernier volet et de parler de la protection des investissements qui reste vraiment un chantier
à part entière, hein, parce qu'on continue à accorder une protection étendue aux investissements fossiles, je pense là, typiquement aux accords UE-Chili, UE-Mexique, et tout ça en contradiction avec l'approche de la Commission européenne à l'occasion de la modernisation du TCE et aussi de la résolution du Parlement européen de juin 2022. Donc Sabrina, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait ce qui pose problème, où se noue la contradiction entre ce régime de protection des investissements et les enjeux sociaux, environnementaux, climatiques. Alors, oui, en fait, ce qu'on va trouver dans le chapitre investissement du CETA ou d'autres instruments, on le trouve en réalité dans des milliers d'accords d'investissement. La France, aujourd'hui, elle est encore partie à 80 ou 90 traités, j'ai pas vérifié récemment. Ce sont des traités qui ont été conclus dans un contexte historique assez particulier, hein, avec clairement pour objectif de protéger les investisseurs des pays du Nord vers les pays du Sud, vers des pays qui connaissaient voilà, une instabilité politique, économique ou autre, et qui vise à sécuriser les investisseurs à l'étranger. Et les investisseurs dans tous les domaines possibles et inimaginables. Alors, ça peut être dans des domaines économiques qui permettent la transition énergétique, mais ça peut aussi être dans des secteurs énergie fossile ou voilà des secteurs qui d'un point de vue environnemental mériteraient peut-être qu'on s'interroge sur leur poursuite. Enfin, méritent certainement qu'on s'interroge sur leur poursuite. Et ce qu'on va trouver dans ces traités, ce sont un ensemble de protections juridiques qui, à bien des égards, sont bien plus élevées que ce qu'un investisseur, qu'un opérateur économique peut se prévaloir en vertu du droit interne en France ou ailleurs. Donc, on va avoir des protections juridiques contre toutes les formes d'expropriation, contre ce qu'on appelle le traitement injuste et inéquitable. Alors, rien qu'en le disant, on se rend compte immédiatement qu'il y a un problème d'interprétation et qu'un traitement injuste et inéquitable, ça peut être tout et n'importe quoi. Et puis surtout, ce sont des traités qui offrent une voie de recours juridictionnelle exceptionnelle, puisqu'ils permettent à l'investisseur, en cas de différend avec l'État hôte, de ne pas aller devant les tribunaux nationaux, mais d'aller devant un tribunal spécial. Alors, un tribunal arbitral ou un tribunal permanent spécifique, comme ce qui est prévu dans le CETA, la création d'un tribunal de première instance et d'un tribunal d'appel. Ce sont des traités qui fonctionnent depuis des années et qui ont montré que parfois, c'est pas systématique, mais parfois, les investisseurs arrivent à remettre en cause des mesures de protection de l'environnement, de mesures de protection de la santé et à obtenir des indemnisations qui sont extrêmement élevées, qui s'élèvent à plusieurs centaines de millions d'euros, voire parfois plusieurs milliards. Et ça vaut y compris pour les investisseurs aujourd'hui dans les énergies fossiles, alors que on a quand même un engagement des États qui a été pris lors de la dernière COP, hein, de transitionner hors des énergies fossiles. Donc, juste pour finir, dans ces traités, y compris dans le traité CETA chapitre 8, qui n'est pas encore en vigueur, on a des protections juridiques qui ne garantissent pas à tous les investisseurs d'obtenir forcément réparation pour toute plainte adressée contre n'importe quelle mesure, etc. Mais c'est possible. C'est possible en fonction de l'interprétation qui est donnée, en fonction des circonstances qui sont données de l'espèce, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un contentieux qui n'est donné, il est absolument possible de savoir comment va trancher le tribunal. Parce que c'est une jurisprudence qui est très aléatoire, qui est très spécifique, et c'est encore une fois une menace qui pèse encore davantage sur les États qui aujourd'hui, bah, s'ils veulent adopter des mesures fortes en termes de sortie des énergies fossiles ou en termes même d'encouragement d'autres activités, peuvent se heurter à ce type de contentieux et par ailleurs, ces contentieux, même s'ils n'aboutissent pas en faveur des investisseurs, sont aussi extrêmement coûteux. Hein, les procédures, elles se chiffrent en plusieurs dizaines de millions d'euros. Aujourd'hui, dans le cadre du TCE, il y a une quarantaine de plaintes contre l'Espagne pour exactement les mêmes mesures et l'Espagne, aujourd'hui, elle en est rendue à peu près une dette de 2 milliards d'euros à devoir à des investisseurs étrangers à qui on a changé un tarif de rachat garanti
Bon, 2 milliards d'euros, c'est pas grand-chose. Et en même temps, bah, ça peut faire du bien dans les mesures de transition écologique ou autre. Bien sûr. Et du coup, Mathilde, on a évoqué là le traité sur la chaire de l'énergie qui est vraiment le traité emblématique. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la mobilisation qu'il y a eu contre ce traité au sein des ONG européennes et où est-ce qu'on en Tout à est? fait. Déjà, il faut quand même avoir en tête que l'arbitrage d'investissement dans le CETA, c'était déjà un élément extrêmement controversé au moment de la fin des négociations. Ça l'était au moment des doubles mobilisations citoyennes contre le TAFTA et le CETA. Il y avait quand même eu 3,2 millions de citoyens européens qui avaient signé une initiative citoyenne autogérée dans laquelle l'arbitrage d'investissement était vraiment un point essentiel. Et à ce moment-là, d'ailleurs, la Commission européenne avait presque hésité à enlever complètement ce chapitre. Et puis c'est quand même la France ou Hollande qui avait trouvé façon de réaménager un peu le dispositif pour que ça passe. Et avec le soutien de l'Allemagne, on a fait cette proposition-là à la Commission qui du coup l'a gardée avec voilà, quelques améliorations en termes de transparence, etc. Mais qui pose à peu près quand même les mêmes problèmes fondamentaux. Donc déjà à l'époque, c'était quelque chose de très contesté. Et aujourd'hui, ça apparaît encore plus obsolète puisque... Après tout ce travail sur le CETA, il y a eu une autre grosse mobilisation qui a été menée sur le traité sur la charte de l'énergie, donc qui est un traité qui comporte un peu les mêmes dispositions, qui couvre spécifiquement le secteur de l'énergie et partie l'Union européenne et les États membres, plus 25 autres États à peu près, et qui était devenu le traité qui avait été le plus invoqué par des investisseurs. Dans des différends contre les États et notamment beaucoup contre les États de l'Union européenne. Donc tous les litiges qui ont été cités contre l'Espagne, mais aussi l'Allemagne a eu plusieurs fois à répondre à des investisseurs. Les Pays-Bas récemment, quand ils avaient pris la décision d'accélérer la sortie du charbon, se sont retrouvés attaqués par RWE et par Uniper, donc deux entreprises énergéticiennes allemandes. Et il y a eu comme ça une vague de litiges, notamment sur des enjeux fossiles. Et donc, toute cette mobilisation qui a émergé à l'occasion de la modernisation de ce traité, finalement, a abouti au fait que cette modernisation n'a pas permis de véritablement aligner cet accord avec les objectifs de l'accord de Paris. Et donc, il y a un certain nombre d'États qui ont annoncé leur sortie pure et simple du traité, donc la France en particulier, mais aussi l'Allemagne, la Pologne, la Slovénie, le Luxembourg, le Portugal, d'autres États comme les Pays-Bas, l'Espagne, qui ont dit aussi qu'ils allaient sortir et qui sont en train de le faire. Le Royaume-Uni, plus récemment aussi, a annoncé sa sortie. Et là, au niveau européen, on est en train de discuter au Parlement européen, enfin, d'une sortie du niveau communautaire du traité. Et donc, ça paraît complètement fou aujourd'hui que l'Union européenne aille au bout de la ratification du CETA qui protège les investissements fossiles, qui contient une clause de 20 ans. C'est-à-dire que même si on ratifiait le CETA et qu'après on décidait d'en sortir, tous les investissements protégés jusqu'à la date de sortie seraient encore protégés pendant 20 ans. Donc, c'est absolument tous les griefs qu'il y avait contre le TCE qui, en fait, s'appliquent aussi au CETA. Et pour donner deux exemples français, parce que c'est quand même des choses bien réelles, il y a aussi un risque de gel réglementaire, de frilosité réglementaire. Donc, ça, avant même qu'une plainte prospère devant un tribunal arbitral, des fois, il suffit qu'un investisseur dégaine la menace d'une plainte pour que les États se ravisent de faire certaines choses. Et en France, on a eu l'exemple de Vermillon au moment de l'examen de la loi Hulot sur la fin de l'exploitation des hydrocarbures en France, où en fait, un cabinet d'avocats qui représentait l'entreprise Vermillon avait écrit au Conseil d'État pour dire au Conseil d'État que si les dispositions qui étaient initialement envisagées dans le premier texte de cette loi Hulot étaient conservées en l'état, Vermillon attaquerait en vertu du TCE. Alors même que le Canada n'est pas parti au TCE, mais via la structuration de leurs investissements, visiblement, ils auraient pu déclencher un cas comme ça. Et c'est une plainte, enfin une menace qui a été jugée visiblement suffisamment crédible parce que ensuite le texte a été considérablement amoindri et avec la possibilité d'aller au-delà de 2040 pour la fin de l'exploitation des hydrocarbures. Et l'autre deuxième cas qui, à mon avis, mérite qu'on y porte attention. C'est là, on n'est pas sur du fossile, on est sur de l'extractif, sur la grande projet de mine à ciel ouvert en Guyane qui s'appelait Montagne d'Or.
qui était un projet très controversé et pour lequel le gouvernement avait finalement avait choisi d'abandonner le projet et on avait fait un des marqueurs environnementaux du quinquennat précédent. Et au final, c'est un projet qui, du coup, a suscité la plainte d'un investisseur russe en vertu d'un traité de protection d'investissement entre la Russie et la France. Mais l'autre partie dans le projet est canadienne et on aurait pu tout à fait imaginer que si le CETA avait déjà été en place, cet investisseur canadien aurait pu avoir exactement la même réaction. Donc on le voit, pendant longtemps, il y a eu cette idée en France que finalement nos entreprises bénéficiaient de ces règles de protection dans les pays tiers, dans les pays en développement en particulier, mais que nous, on avait été suffisamment intelligent ou bon pour designer des mesures sans se faire attaquer. Là, depuis quelques années, on voit que c'est pas du tout le cas. Et il y a d'autres mesures récentes pour lesquelles on est attaqué aussi. Et donc, on a complètement changé de perception. Et ça paraît complètement fou qu'on poursuive ce projet pour le CETA et pour d'autres accords, puisqu'on en a signé récemment avec le Chili qui protège aussi les investissements fossiles. Et là, on va complètement en contradiction à ce qu'on vient de discuter sur le traité sur la charte de l'énergie. Donc, alors, avec ces constats, quelle piste d'action, quelles propositions concrètes? Il y a des propositions type un carve-out des investissements fossiles ou alors un veto climatique qui sont évoqués. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous proposez? Bah, je peux parler du veto climatique puisque ça a été proposé par la commission Schubert, même si aujourd'hui je pense qu'il est dépassé, hein, qu'il faudrait un veto environnemental peut-être, ou un veto plus général encore. Mais ce qu'on a proposé, puisqu'on était vraiment interrogé sur les conséquences du CETA par rapport aux politiques publiques en matière de protection du climat, c'est d'introduire ce veto climatique qui en fait s'inspire d'un mécanisme qui existe déjà dans certains traités. Pour les mesures fiscales et qui permet en fait en cas de contentieux, donc de plainte d'un investisseur contre une mesure fiscale qui va donc devant le tribunal, qui permet aux parties de se saisir de l'affaire et donc et ça gèle la procédure arbitrale en cours et d'examiner la mesure et de décider si c'est bien une mesure fiscale, si c'est une mesure qui a été adoptée en toute bonne foi, etc. Et donc finalement c'est un dispositif qui permet de suspendre la procédure arbitrale et de renvoyer les parties à leur responsabilité. Bon, là, il y a une mesure fiscale. Alors, pourquoi fiscale? Parce que traditionnellement, dans le droit des investissements, la matière fiscale, c'est vraiment ce qui est le plus intrinsèquement lié à la souveraineté de l'État. Donc, on évite de l'attaquer. Et donc, on s'en remet aux parties qui décident si oui ou non, c'est une mesure qui peut être immunisée contre toute plainte. Et donc, le veto climatique qu'on avait proposé, hein, c'est exactement la même chose. C'est qu'en cas de mesure attaquée par un investisseur devant le tribunal et qui vise à mettre en œuvre les politiques climatiques soit de l'Union européenne, d'un État membre du Canada, eh bien là, les parties, donc Canada, Union européenne, État membre, pourraient demander au tribunal de surseoir à statuer et s'entendre sur la mesure. Est-ce que la mesure, elle est légitime? Est-ce qu'elle, certes, peut-être qu'elle a des effets négatifs sur l'activité de l'investisseur, et néanmoins, bah, elle mérite d'être protégée et de ne pas faire l'objet d'une plainte. Donc ça, c'est vraiment la procédure que l'on avait proposée, qui aurait nécessité un amendement du traité CETA, une modification du traité CETA. C'est pas ce qu'a retenu le gouvernement français, qui a quand même hein, réussi à faire adopter au niveau du CETA. Il y a un comité joint qui peut adopter des interprétations qui sont obligatoires, qui est quand même voilà, parvenu à faire adopter une décision par ce comité mixte qui prévoit que en cas de préoccupation grave liée à une plainte engagée par un investisseur devant le tribunal, les parties, donc Canada, Union européenne, peuvent saisir le comité des services et de l'investissement, qui, s'il juge que c'est vraiment grave, peut saisir le comité mixte, qui peut adopter une interprétation qui s'imposerait au tribunal. Mais bon, évidemment, la démarche n'est pas tout à fait la même, puisqu'à aucun moment ça ne gèle la procédure arbitrale. Et c'est un dispositif qui relève de l'interprétation du traité et non pas un mécanisme qui bloque tout simplement une plainte.
Donc ça, c'est moi, c'est un mécanisme que je continue à défendre aujourd'hui, qui me semble serait intéressant, même si je pense qu'il faut l'étendre au-delà de la question climatique, aux enjeux environnementaux, aux enjeux sanitaires. Et puis après, évidemment, un autre aspect, hein, c'est un minimum, c'est de renégocier tous les traités pour faire sortir les investissements fossiles. Et ça ne peut passer que par une renégociation de tous les traités. Alors, il y a des milliers de traités, mais ça peut aussi passer par un accord multilatéral qui viendrait chapeauter ces traités. Enfin, voilà, juridiquement, il est possible de faire un tas de choses, mais c'est effectivement un minimum, je crois, que d'arrêter d'offrir à ces investissements une protection exorbitante. D'autant plus que cette protection exorbitante, bah, elle est connue comme telle, hein. Il y a certains cabinets d'avocats, tout le monde peut le vérifier parce que ça se trouve très, très facilement sur les éléments de communication de ces cabinets d'avocats qui, sur leur site internet, voilà, font passer des messages. Vos actifs ont échoué parce que nouvelle réglementation climatique, c'est pas grave, nous on a la solution, on peut vous obtenir des indemnités sur le fondement de tel ou tel traité. Donc c'est assez cynique, mais c'est la réalité. Et Mathilde, je peux te réagir sur l'enjeu de renégociation du stock de traités. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, bon, déjà, il faudrait arrêter d'en conclure des nouveaux qui contiennent des dispositions obsolètes comme celle-là, ce qui n'est pas encore le cas à l'échelle de l'Union européenne. Ensuite, il faudrait renégocier les accords passés. Et il y a des discussions qui s'amorcent, notamment à l'OCDE. Il y a un processus qui a démarré il y a 2 ans qui vise à dire que, on aurait besoin d'une réforme du régime de protection des investissements pour aligner les flux financiers justement avec les objectifs de l'accord de Paris. Et ça, c'est écrit tel quel dans l'accord de Paris, c'est l'article 2.1.C. Et jusqu'à maintenant, tout ce qui relevait de la protection des investissements n'était pas envisagé comme quelque chose qui pouvait avoir un rôle à jouer dans cet alignement. Et ça commence à émerger et c'est intéressant, mais ça va pas du tout assez vite par rapport voilà, à l'urgence actuelle parce que. Pour ne citer qu'un exemple, quand Rock Hopper a attaqué l'Italie parce que l'Italie avait décidé de mettre fin au forage pétrolier offshore, l'Italie a perdu, elle doit dédommager Rock Hopper bien au-delà des sommes qui ont été engagées par l'entreprise dans ce projet. Et à la fin, l'entreprise dit ça va nous permettre d'investir dans un projet extractif pétrolier au large des Malouines. Donc en plus, même les compensations qui sont reçues par ces investisseurs peuvent être réinvesties dans les projets pétroliers. Enfin, on est vraiment dans quelque chose qui fonctionne pas du tout. Et de ce point de vue-là, pour que ça avance, il faudrait certainement qu'il y ait une impulsion politique au niveau du G20, du G7, que les ministres du commerce qui ont monté une coalition des ministres du commerce intéressés par les enjeux climatiques s'en saisissent aussi. Enfin, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose au niveau politique. Donc ça, on pourrait très bien le faire et on sait le rédiger effectivement juridiquement pour que ça puisse amender les milliers de traités qui existent. Un peu comme on l'a fait sur les enjeux fiscaux. Mais après, on pourrait aussi aller plus loin parce qu'aujourd'hui, il n'y a quand même pas beaucoup d'évidence que ces traités de protection des investissements, ils ont un impact positif pour les pays qui les signent en termes d'investissements directs étrangers qui sont reçus, etc. Il y a des pays qui n'ont jamais signé ce genre d'accord et qui pourtant reçoivent beaucoup d'investissements directs étrangers, comme le Brésil. Et donc, on pourrait aussi envisager de mettre fin tout simplement à un certain nombre de ces traités anciens. Et c'est vrai que il y a plein de pays en Amérique latine qui ont mis fin à des traités, qui ont ensuite intégré des choses dans du droit national, l'Afrique du Sud aussi. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont aussi adopté une approche beaucoup plus pragmatique récemment. Et l'autre fait notable, c'est que les Canada et les États-Unis, qui avaient été les premiers à se doter d'un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États entre pays riches, avec l'ALENA en 1994, y ont mis fin en 2018 entre eux dans la renégociation de cet accord de libre-échange. Donc voilà, il y a plein d'autres pistes à explorer. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'Union européenne. Elle est pas très allante par rapport au reste du monde et le précédent du TCE devrait nous inviter à regarder toutes ces options-là de façon beaucoup plus ambitieuse.
En effet, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples dont l'Union européenne pourrait s'inspirer. Tu as évoqué les États-Unis. Il y a aussi le cas de la Nouvelle-Zélande qui est en train de négocier, il me semble, avec le Costa Rica, les Fidji, l'Islande et la Norvège, un accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité, dans lequel la partie libéralisation des échanges, elle est vraiment restreinte aux biens et services environnementaux, même si ces biens et services restent à définir. Donc on voit voilà qu'il y a quand même des approches nouvelles dont l'Union européenne pourrait bien s'inspirer. Je voulais vous demander chacune si vous pouviez nous dire les trois priorités selon vous qui devraient être au centre en fait du prochain mandat européen en matière de politique commerciale, parce qu'on a évoqué plusieurs propositions, mais voilà, si on pouvait resynthétiser, je vous laisse la parole, Mathilde ou Sabrina. Moi, je peux commencer. Alors, trois pistes, je ne sais pas, mais qu'est-ce que ne doivent plus être les accords de libre-échange à l'avenir? Je pense que, comme je l'ai dit, hein, il faut plus que ce soit des accords globaux. Mathilde a insisté aussi là-dessus. Hein, il faut vraiment réfléchir à des accords sectoriels avec des vraies conditionnalités qui soient des conditionnalités de solidarité aussi, hein, parce que c'est une chose d'imposer à nos partenaires de respecter des normes. Mais il faut aussi être en position de les accompagner dans la mise en œuvre de ces normes. Et là, on rejoint les objectifs de l'accord de Paris, notamment, où il y a quand même une promesse qui, pour le moment, n'a jamais été tenue d'aider à hauteur de 100 milliards de dollars les pays en développement tous les ans. Ça, c'est une promesse qui a été prise en 2015 et pour le moment, les pays en développement n'en ont pas vu la couleur. Dans le cadre de ces accords sectoriels, je pense qu'il faut aussi réfléchir à une exception agricole. Voilà, on ne peut pas échanger des céréales et de la viande de bœuf comme on échange des voitures. Et puis, en fait, il faut arrêter de négocier des accords de libre-échange neutres qui considèrent comme ayant la même valeur des produits à faible valeur environnementale avec des produits qui participent à la transition environnementale. Donc, évidemment, il faut pouvoir faire un choix. En fait, il faut que le droit, les accords de libre-échange deviennent politiques en quelque sorte. Et si on garde ces instruments, si on continue à les négocier, mais pour certaines activités qui participent aux objectifs environnementaux qui sont posés par ailleurs dans d'autres accords. Et des éléments de réglementation, de planification hein, internationale, tout simplement, pour sortir des énergies fossiles, pour sortir d'autres activités qui sont particulièrement délétères pour l'environnement. Donc, c'est une reconceptualisation totale qu'il faut mettre sur la table. Merci beaucoup, Mathilde. Non, bah je souscris effectivement cette question du traitement spécifique pour les questions agricoles. C'est aussi quelque chose qu'on commence à pousser à nouveau à Veblen et je pense que c'est intéressant d'essayer d'y mettre du contenu. Pareil, tout ce qui est biens énergétiques, ça ne devrait pas être traité comme des biens comme les autres. Il devrait y avoir des règles spécifiques pour ce secteur-là. Ensuite, je voulais dire qu'il ne faut pas non plus que l'accroissement des flux soit la seule boussole. Et donc, quand on sait que 40% du fret maritime international, c'est du transport d'énergie fossile, eh bien, si on est sérieux avec la transition écologique, on va mettre à mal ces flux-là, et tant mieux. Donc, il faut voilà, pas penser qu'il faut accroître toujours les flux pour être plus riche, pour pouvoir faire la transition. Des fois, il va falloir réduire ces flux, et notamment quand il s'agit de biens et services mauvais pour l'environnement. Après, est-ce qu'il faut continuer à négocier des accords bilatéraux? Là non plus, c'est pas évident parce que cet exercice d'accords bilatéraux, il est contraint aussi par les règles de l'OMC. Donc aujourd'hui, il y a des États qui s'en détournent complètement. Les États-Unis ne font plus de négociations commerciales bilatérales. Ils travaillent sur des accords sur des chaînes de valeur, etc. Donc, on pourrait envisager complètement autre chose, notamment parce qu'une des justifications aujourd'hui, c'est d'avoir accès aux ressources critiques pour la transition. Ben, peut-être que ça passe pas par les accords de libre-échange, mais par des accords de partenariat différents où effectivement, il y a une partie d'assistance, une partie de financement, et qu'on met beaucoup plus d'énergie et d'efforts pour s'assurer qu'il y a un respect des droits humains et de normes environnementales le maximum sur ces activités-là. Enfin, en tout cas, je pense que ça nécessite d'être réfléchi autrement, y compris pour faire des alliances pour aller vers du mieux-disant dans les normes. Est-ce qu'il y a besoin d'accès au marché à chaque fois en contrepartie? Ça doit se réfléchir. Et surtout,
ce qu'on oppose souvent un peu de façon noire ou blanc, protectionnisme ou libre-échange, en réalité, on est déjà dans un régime où on commercialise énormément et le commerce a été énormément libéralisé. Donc, certainement qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il va falloir remettre des règles pour qu'on soit dans un échange plus juste, plus durable. Et si c'est une forme de règle qui voilà, a un impact sur le niveau global des échanges, mais que c'est pour tenir nos objectifs environnementaux collectifs, je pense que ce ne sera pas forcément une mauvaise chose. Okay. Ben, merci beaucoup à toutes les deux hein, pour ces échanges très très riches. On repart avec plusieurs propositions et pistes de réflexion très concrètes. Je vais peut-être laisser la parole à Wojtek si tu veux Non, pas conclure. vraiment. Merci beaucoup. Hein, je me rejoins en félicitations. C'était une séance extrêmement riche, instructive. Comme ça, le public a pu voir aussi sur, au-delà du numéro de l'économie politique, sur quoi l'Institut Veblen travaille au quotidien. Et Dieu sait que c'est un jeu qui vaut la peine. Ceux qui souhaitent suivre nos travaux sur ces sujets-là, entre autres, feraient mieux de, le mieux de, je pense que c'est de s'abonner à notre lettre d'information et de nous suivre sur les réseaux sociaux parce que pour le coup c'était un sujet sur lequel l'Institut Veblen publie très régulièrement et il travaille aussi le sujet politiquement donc merci beaucoup, c'est sans doute une des séances les plus denses mais le public est resté jusqu'au bout donc qu'ils en soient remerciés. Merci aussi à Sabrina et à tout le monde et à Luan pour l'organisation technique. Donc, je vous donne rendez-vous le 30 avril pour parler de la réindustrialisation dans le contexte de la transition écologique. Et le 22 avril, nous organisons un autre webinaire à l'occasion de la parution d'un livre qui s'appelle Pourquoi la voiture électrique est bonne pour le climat. Donc, nous avons pensé que ça mérite bien une séance de débat autour de cette question-là parce qu'elle ne va pas de soi pour tout le monde. Voilà, merci. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci.